Mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 FM. Vous connaissez toutes et tous notre ami le général Henri Paris, conseiller de plusieurs ministres et premier ministre, Pierre Morva, président de Démocratie. Il a présidé Démocratie, un club de réflexion qui a beaucoup fait pour la France et pour la paix. C'est-à-dire, son bilan, il est très, 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 très riche. Plusieurs fois, le général Henri Paris, c'était notre invité dans notre studio depuis les années 80 à ce jour. Aujourd'hui aussi, j'ai le plaisir de finir mon émission avec le général Henri Paris, que je le souhaite plein de santé et longue vie. Et l'amour à côté de sa femme Ariane et ses enfants que j'ai vus comment ils ont grandi comme tous les autres enfants, qu'aujourd'hui, général Henri Paris, il est fier de ses enfants. Bonjour mon général Henri Paris, bonne année 2020. Merci à vous aussi. Nous avons beaucoup appris de vous pendant toutes ces années. Et je vois que vous êtes en train d'écrire un autre livre. C'est quoi, mon général, votre dernier livre? Un roman qui prend comme arrière-scène l'expédition du Mexique, la guerre de 70-71 et la Commune. Excellent. Combien de pages? Je ne sais pas encore parce que je suis en train d'écrire. Ça sera votre deuxième roman. Le deuxième roman. Premier. C'était 100 complots pour 100 jours et il y avait 385 pages. Merci mon général. Comme j'ai dit au départ, on a beaucoup appris de vous. Vous étiez un général avec des soldats dans le monde entier. Dans le monde entier. Et on était tellement ravis d'être toujours avec vous, à votre côté mon général. Respect. Merci. Henri Paris est né le 9 août 1935 à Neuilly-sur-Seine. Il est officier général français en 2e section. Il a exercé des commandements prestigieux comme celui de la 2e division blindée Saint-Cyrien. Il avait auparavant servi dans les troupes aéroportées et la Légion étrangère et à ce titre participer à la campagne d'Algérie. Il s'est ensuite orienté vers les troupes blindées et mécanisées. Conseiller du Premier ministre Pierre Mauroy et de deux ministres de la Défense, Jean-Pierre Chevènement et Pierre Jox, a dirigé la délégation aux études générales, organisme chargé d'élaborer la prospective de la défense en matière de stratégie et de politique militaire. Il obtient une licence de russe en Sorbonne et un diplôme de tchèque aux langues orientales, des certificats d'économie politique à l'université Charles de Prague, ainsi que le diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris. Quittant le service actif dans la limite d'âge, il devient conseiller militaire de GIAT Industries. Professeur dans une école de journalisme et conférencier sur des sujets touchant la stratégie, les affaires étrangères et la vie politique, il continue une activité de conseiller auprès des entreprises. Il préside un club de réflexion démocratie. Il poursuit sa réflexion dans les domaines de stratégie et de défense, écrit divers essais tout en s'essayant à un roman historique, Stratégie militaire soviétique et américaine, Prix Vauban en 1981, Les fondements doctrinaux de la stratégie soviétique en collaboration avec les membres du groupe d'études et de recherche sur la stratégie soviétique, Le niveau de vie en Tchécoslovaquie, le pacte de Varsovie en action, thèse de doctorat, mention très honorable avec félicitations du jury,
Stratégie soviétique et chute du pacte de Varsovie, publication de la Sorbonne en 1995, l'atome rouge, l'armatan 1996, l'arbalète, la pierre à fusil et l'atome Albin Michel 1997, vers une arme citoyenne, direction d'un ouvrage collectif, l'armatan 1998, Sans complot pour les 100 jours, toujours aux éditions L'Armatan en 2001, USA Échec et Mat, édition Jacques-Marie Lafont en 2004, Le pétrole tue l'Afrique, édition des Rio 2007, Ces gens qui viennent, édition Fantascope en 2011, et L'Oncle Sam et le Mandarin, édition NUVIS 2015. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux.